Salut, c'est David de Gamecoder. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente puisque je vais commencer à vous parler de mes vrais projets professionnels. Donc c'est le jeu que je réalise dans le cadre de mon studio Castlebox. Je vous décris rapidement le scénario et je vous présente le prototype en fait qu'on a présenté notamment à des partenaires, à notre éditeur et puis au Centre national de cinématographie. Ici, on est sur la scène d'introduction qui introduit vraiment assez maladroitement le scénario, mais qui permettait en fait. C'est un proto, donc on a quelques écrans, on a ce scénario qui est présenté comme ça, qui explique en fait que. Je laisse le décollage. Voilà. Ça nous explique en fait que donc Space Donjon, c'est un jeu de SF en pixel art, comme vous pouvez le voir. L'idée, c'est un futur lointain où l'humain aura imaginé, en tout cas créé, une source d'énergie inépuisable issue des noyaux de planètes lointaines. Pour exploiter cette énergie, ils ont colonisé donc des systèmes solaires. D'où le nom du jeu Lost Colonies, Space Dungeons. Pourquoi Space Dungeons? C'est parce que ces colonies sont souterraines et permettent d'atteindre le Nexus, qui est la source d'énergie de ces planètes. Et dans ce futur lointain, j'ai imaginé que ce Nexus se retournait contre l'être humain, créant, on ne le sait pas encore, en fait, vous le découvrirez dans le jeu, créant en fait une espèce de mutation. On va dire des organismes habitant ces planètes-là, organismes ou pas d'ailleurs. Et en fait, vous découvrirez dans le jeu plus en détail le phénomène, ses origines, et vous devrez explorer donc un système, plusieurs systèmes solaires en fait. L'idée, c'est que le contenu soit généré procéduralement. Vous aurez un système complet à explorer et à nettoyer. Chacune des planètes aura un biotope différent. On a la lave, la jungle, la glace, le gaz, le désert. Donc chacun, vous l'imaginez, avec des créatures et des ennemis différents, des topologies différentes. Dans le prototype, on présente en fait une planète et une seule colonie, donc Oblivia, et on a ici la fiche de description de la planète qu'on va explorer, ainsi que les créatures qui l'habitent. Donc il y a cette première phase qui est une phase d'analyse et de choix sur la map. Ensuite, on peut passer en orbite et atterrir, enfin atterrir en tout cas, envoyer notre vaisseau explorer à la surface de la planète. On va pouvoir explorer la planète avec ce vaisseau. Ce vaisseau, lui, permet donc de trouver les colonies. Il y aura un pilote automatique qui permettra d'atteindre ces colonies. Enfin, il y a un pilote automatique qui permet de trouver ces colonies. L'exploration manuelle, elle, permettra de découvrir des colonies cachées, des items spéciaux, voilà, des items rares. Donc, soit on explore à la main, soit on utilise le pilote automatique. Quand on a trouvé la colonie, il nous suffit d'atterrir. Donc là, on est sur un biotope de type lave. Chaque colonie sera différente. On ne pourra jamais faire deux fois la même partie dans Lost Colonies. Je vous explique maintenant le gameplay. Je vais retirer ma tête ici, voilà, comme ça vous pouvez voir l'écran en entier. Donc en fait, pour le proto, on avait créé un petit tuto qui permet de comprendre le principe. Donc en fait, on a des robots qu'on déplace et qui peuvent tirer et on peut changer de robot. Donc on a trois robots. On a le tank ici qui est un robot lourd qui permet notamment de déplacer des objets et de miner
le donjon. Je vais baisser un peu le son, je sais pas si vous m'entendez. On a le robot soldat qui permet de se défendre. Et ensuite, on a le robot hacker qui permet d'infiltrer les systèmes informatiques et aussi de régénérer l'énergie des autres robots. Donc, je vais switcher là sur le tank. Voilà, maintenant, c'est le tank que je manipule. Et ici, voilà, quand on a de l'interactivité, on a un tooltip que vous avez peut-être vu qui nous permet de voir que c'est le tank qu'on doit utiliser sur cet objet. Et on va pouvoir, par exemple, pousser. Voilà, j'ai poussé et atteint l'interrupteur qui permet d'ouvrir la porte. Deuxième partie du tuto où on va piloter le hacker qui est accessible par la touche 3. Le hacker permet donc de se connecter au système informatique. On peut se rapprocher par exemple ici d'un interrupteur, appuyer sur le shortcut E. Et on peut pendant ce temps, bien sûr, revenir à nos autres robots et en laissant le hacker travailler. Donc là, maintenant que la porte est ouverte, j'ai récupéré mon soldat. Et je vais pouvoir maintenant pénétrer dans la salle où un ennemi m'attend. Voilà, c'est un ennemi qui. Un parasite qui se sépare en deux parties. Voilà. Il n'a pas fait long feu. On va maintenant entrer dans la troisième salle où je vais vous montrer la partie puzzle en fait de Lost Colony Space Dungeons. On va s'approcher ici de la porte. Je vais récupérer les autres robots. Donc dans le jeu, il y aura un système de pathfinding, en fait un système d'escorte qui fera que les autres robots pourront, les robots qui ne sont pas contrôlés par le joueur pourront rejoindre le robot contrôlé. Là, c'est pas le cas. Donc les salles sont assez petites, donc c'est pas très problématique. Donc ça sera des choses qu'on va expérimenter. Avec vous d'ailleurs, puisque vous nous direz ce que vous en pensez. Donc hop, je vais hacker ici la porte, récupérer mon soldat pour pouvoir passer la porte et voir s'il n'y a pas de danger. Donc il n'y a pas de danger, je vais pouvoir. Donc on a des interrupteurs spéciaux qui sont des interrupteurs qui permettent de téléporter les autres robots et de déclencher la phase suivante. Donc on a ici maintenant une salle de type puzzle. Donc je sais pas si vous connaissez le jeu Sokoban, qui est un vieux jeu en fait, qui consiste à pousser des cubes dans des emplacements qui leur sont dédiés, avec des couleurs, et avec des énigmes à résoudre, puisqu'on peut pas, on ne peut que pousser les cubes, on ne peut pas les tirer. Donc on s'est inspiré de cette mécanique-là pour. Par exemple, ici, pouvoir ouvrir cette porte. On voit que on a besoin du robot du tank pour pousser les blocs. Donc je vais récupérer mon tank. Et en fait, je vais pousser les blocs sur leurs emplacements. Premier emplacement. Deuxième emplacement maintenant, les deux autres. Donc là, pour le tuto, hein, le puzzle est simple. Il a vocation de démonstration. Voilà, la porte est ouverte. Je vais récupérer mon soldat pour voir si un danger m'y attend. Donc oui. Allez, c'est parti. Bon, c'est un proto, donc lui, à chaque fois qu'il a subi 25% de dégâts, il pond un petit sbire qu'il faut également tuer ou pas. L'idée, c'est de, pour l'instant, là, c'est de tuer le boss pour récupérer la clé. Voilà. Il a largué la clé,
Hop, je la récupère, elle se met dans mon inventaire et il me montre en fait que j'ai cette porte maintenant que je vais pouvoir ouvrir. Donc on va s'amuser un peu, on va nettoyer. Et où tu vas toi? Voilà, donc on a codé un système de transparence pour les murs qui ce qui est, moi j'aime bien. Permet de pouvoir se déplacer vraiment partout dans le décor tout en continuant à voir les robots et les ennemis. Voilà, bon ben j'utilise la clé et je sors du niveau. C'est tout ce qu'il y a dans le proto. Ça vous donne un aperçu général du jeu. Si certains sont intéressés pour télécharger le proto, il suffit de me contacter. Le mieux, c'est de passer par Twitter. Twitter, c'est @DavidMakerSa. Ou la chaîne Facebook de GameCoder. Dans la prochaine vidéo de type devlog, donc la suite de celle-ci, on parlera programmation bien sûr et je vous montrerai avec quoi c'est programmé, comment. Moi aujourd'hui je vais switcher sur Lost Colonies, je vais coder toute la journée. J'aurai des choses à vous montrer sûrement la prochaine fois. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit Comment devenir développeur de jeux vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir me voir sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Ça fait beaucoup de choses, mais tout est indiqué à l'écran. Je vous dis bon code, et je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Salut! Crawling at your feet.